broads in the London. Just to lean the family. Credit cards in the scams. Getting the licks in the family. Hey, salut tout le monde, c'est Wulter, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très très bien, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous voilà en janvier, je vais vous présenter le tout premier et un nouveau du coup mode menu No Patch Project Brain qui est sorti, mais cette fois c'est en zombie. Et voilà, il sera disponible sur mon compte Wulter Infection en regardant une vidéo dans les vidéos éditées. Voilà, ce sera la seule vidéo qu'il y aura pour l'instant je pense. N'hésitez pas à m'ajouter et j'accepte toutes les demandes d'amis, et ça sert à rien de me dire accepte-moi en commentaire parce que je bloque tous les commentaires. Bref, on va lancer une partie, on va se mettre sur la map Transit parce que c'est assez grand, on peut faire plein de trucs. Et c'est une map assez basique, on va dire. C'est pour moi la map principale du zombie de Black Ops 2, tout simplement parce que c'est la map, la grosse map, on va dire, de Black Ops 2, et la map gratuite. Oh là là, mais regardez-moi cette image. Ah, les souvenirs qui me viennent, j'ai quelques petites images, quelques petits flashbacks qui me viennent rien qu'en regardant cette image. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi je me souviens des moments de fun où j'ai rigolé, où j'ai ragé à cause de ce bus là surtout. Mais franchement, ça me rappelle plein de souvenirs. Et voilà, comme vous pouvez voir, rien que déjà le début, la petite barre, et puis tac, hop là, allez, on l'ouvre. Ça met un petit moment à ouvrir, c'est normal, vous inquiétez pas, tac, et là, voilà, là j'ai le god mode, donc ils pourront pas me faire chier les zombies. Voilà, on va se mettre plein de trucs, vous savez quoi, on va essayer de le découvrir. Pour moi c'est l'un des, je crois que c'est la deuxième vidéo mode menu zombie que je fais. Donc on va essayer de découvrir comment on fait pour descendre, c'est avec R2 et L2. R2 pour descendre, L2 pour monter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah tiens, j'ai 1 million. Ah, c'est trop bizarre. Ah, ça fait tellement... C'est pas que ça fait peur, mais c'est que quand on a l'habitude de jouer en zombie, ça fait trop bizarre. Là, par contre, c'est pas speed x2, hein. C'est speed x50. Attendez, on va traverser toute la map en entier, juste en traversant comme ça. Ouh, on va tellement vite. C'est quoi ce bordel? Ah, ça fait bizarre de traverser la map aussi rapidement. Surtout, on se perd tellement vite. Oh là là. On va prendre le petit Raygun Mark II. Et en secondaire, on va mettre le petit Raygun. Alors, attends, j'ai mis un truc, là. C'est tir là. Ah, oh, oui. C'est le téléport menu. What? Ah oui, c'est l'église, ça veut dire qu'il y a ville pas loin. Ça veut dire qu'on est pas loin de ville, il me semble. Mais oui, regardez, on est déjà à ville. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parti beaucoup trop loin. Oh, en même temps, j'ai tiré dans le ciel alors que quand je tire des balles, ça me téléportait là-bas. Mais je suis con aussi. Bon, c'est pas grave, attention, on va relancer une partie, vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est quand même assez bizarre, on va dire, parce que c'est... En gros, pour vous expliquer, quand il est ouvert, en gros, on peut pas bouger. Donc il faut vite se mettre le god mode, parce que sinon tu meurs bêtement, et c'est un petit peu con de mourir bêtement. Ça, c'est un petit peu con de mourir tout court, pourquoi mourir bêtement, ça serait con, c'est mourir tout court. Nuke bombe. Ah. Ok, donc ouais, j'ai mis 20 000 bombes. Ah là, le son de la petite boîte. Ouais, bon, je suis un gamin alors. Oh, je vole. Ouh, regardez. Oh, on peut tellement explorer la map comme ça. Ah, attendez, est-ce que je peux mettre là-haut? Mais putain, mais non, mais vas-y, ça me tue, non, mais je dois encore relancer une partie, putain. Ah, j'ai vraiment pas l'habitude des modes menu en zombie. On peut faire des clones de nous, on va en faire plein. Oh, ça fait trop bizarre, vu qu'ils sont tous collés, là. Ah, c'est trop chelou. Regardez, en fait, ils sont tous dedans, et du coup, ils ont fait un truc bizarre, on dirait qu'elles se dédoublent et tout. Trop bizarre. Ah, on peut changer le thème, ça aussi, c'est bien. Mais bon, regardez le thème rouge, un peu, le sang, les zombies et tout. Alors, voyons voir ce qu'il y a un peu, parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, mais après, c'est le premier qui est sorti, donc il faut pas s'attendre non plus à des trucs de fou, des trucs de malade. Donc, l'ambiance, on va pas se plaindre, on a déjà un mode menu en zombie, ce qui est déjà bien. Mais après, ouais, c'est vrai que ça manque un peu, genre, de certains trucs. Par contre, je comprends pas pourquoi on doit l'ouvrir, il doit avoir un tas d'attentes. Bon, allez, les gars, j'ai calé un nouveau world record. Manche 251, sans hack ou quoi, vraiment, je l'ai fait moi-même, j'ai joué pendant environ 700 heures. Et j'ai gardé que le petit pistolet pour me lancer un défi, donc voilà. Nouveau world record, ça fait plaisir. Ah, je suis vraiment gamin à dire ça. Regardez, il y a tellement de zombies, ils sont en train de me bouger. Au revoir tout le monde. Oh non, mais... Bon, mais j'aurais survécu que 251 manches. Bon, je vous laisse découvrir un peu le reste de ce mode menu vous-même. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner si c'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui font ça. Bravo à la personne qui a fait ce mode menu. J'ai essayé de voir qui c'est et pourquoi pas lui faire une petite pub. Donc voilà, si jamais j'arrive à retrouver sa chaîne, celle-ci sera dans la description. Ce mode menu sera sur mon compte Wulter Infection qui s'affiche sur votre écran. Voilà, vous le voyez, il est beau. En tout cas, moi je vous laisse, c'était Wulter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, bye.